Allez les amis, comment on se retrouve sous cette nouvelle vidéo de Harry Potter, Hogwarts Legacy et l'héritage de Poudlard sur PS5. Et c'est parti. Et j'ai eu un message du professeur Charles. Vous devez apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion, et traiter pour pousser les avions. Non, c'est de la classe. Alors, devoir du professeur Char. Oui. Oui, il recommence à partir de... Obtenir une potion de concentration. Il faut y aller au corps de potion. Alors, attends. Pas ça se trouve où moi. Cours du clocher, pelouse de cours de vol. Non, c'est pas là. Salle de potion, voilà. Alors. Potion de concentration. Là, bah, je sais pas. J'utilise cette potion. Et tester si cette potion. Oh d'accord, ok, bon, ce qu'on va faire, on va faire directement la mission, hein. Merde. Allez, course de vol, cours de vol. Il fait nuit encore. Voilà, il fait jour. Ouais, on va apprendre à voler. Ouais. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquets, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. Y'a que moi qui ai une allure. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite debout. Enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Merci. Bien, c'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien.
Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Ah, je crois que je commence à comprendre. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Maintenir. Quel jeu. Bonjour. Belle journée pour voler. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Ah, c'est super, j'adore. Putain, c'est le top. Je vais pouvoir personnaliser mon balai, vu qu'on peut tout personnaliser. Putain, on peut tout soulever, ce jeu il est extraordinaire. Il est merveilleusement bien fait, il est beau, il est... Ah, c'est vraiment un coup de cœur. Hein. J'ai réussi. Bravo ! Hé, hey, je peux te parler ? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux ? T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Madame Kogawa a l'air sévère. Je ne veux pas avoir d'ennui. Kogawa ne se rendra compte de rien. Et puis, un oiseau n'apprend pas à voler en restant au nid. Suis-moi. Bon, dans tous les cas, je suis obligé de le suivre. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Regardez-moi cette merveille. C'est vraiment pour tous les fans d'Harry Potter et tout. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est magnifique. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouffle le donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment faire Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypocrite? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est vrai, cette idée est vraie. Professeur, on essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points.
Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez, c'est le sang, car... Je... car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Ouf. Je crois que j'ai pas été prolongé. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Ouf. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Beauballet à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Et ben voilà, les amis. Hein. Si j'avais les moyens de m'offrir le nouvel escarbille de chez Beauballet, je n'utiliserais pas ce vieux coucou. Il y a tant... J'aime bien Madame Kogawa. Elle me donne des cours particuliers. La boutique Beauballet a ouvert ses portes à Préolard. On y trouve tous les derniers modèles. Non pas que j'en ai besoin. Notre petite aventure à la bibliothèque. Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Madame Kogawa, à propos de ce qu'il s'est passé... Le sujet est clos. Les points que vous avez coûtés à Gryffondor devraient suffire à vous dissuader de vous livrer à de telles Moi aussi j'ai des points enlevés. Le professeur Weasley m'a demandé de vous enseigner quelques sortilèges supplémentaires. Je vous enverrai bientôt un hibou. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions quand vous le souhaitez. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir aux potions Pipin. Si vous souhaitez empocher quelques pièces. Allez, David, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir. On se dit à très vite sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.